Salut les gens, aujourd'hui grosse révélation pour moi, je viens de découvrir le champion pour gagner toutes ces games sans pour autant être bon sur le jeu. Mais vraiment, vous pouvez être archi nul, ça va marcher. Je n'ai jamais joué ce champion avant, j'ai toujours pas lu les sorts mais il détruit tout et surtout, il contre mon pire cauchemar, Katarina. Je parle bien de Malzahar. C'était les games les plus simples de ma vie. J'ai même pas besoin de me concentrer, je faisais n'importe quoi et ça marchait. Vous pouvez être en 0-48, vous faire camp H24, pas de problème. Vous êtes toujours capable de one-shot tout le monde et même les tanks grâce à votre ultime qui fait des dégâts en pourcentage de points de vie max. Il vous suffit de faire un sort pour clear toute une vague de creep. Et je vous parle même pas du délire quand vous avez Riley, un E sur la cible et elle est condamnée à mort. Et regardez, hein, il n'y a même pas besoin de viser. J'ai mis juste un E sur la Katarina, boum, elle crève. En plus, le E, il va rebondir sur l'ADC, il va perdre 30%. Quelqu'un essaye de voler le baron. On s'en fout, on l'ultime, il peut plus jouer. Bon, là, c'est le Tridamer, il meurt jamais, ce truc-là, mais bon. Au moins, il n'a pas pu voler le baron. Et on peut sauver des objectifs comme ça. Encore une fois, là, par exemple, le support qui a un pool de points de vie assez élevé, normalement. Bref, on le one-shot. Bon, là, je me suis fait aider un petit peu de Leona. Mais vous comprenez le délire. Et encore une fois, je suis pourri avec le champion. Regardez, je me fais camp H24 dans cette partie. Je suis à 1-5-2. J'ai pas un farm, j'ai même pas un bon farm. Je me fais tuer, regardez, je joue comme une merde. Je joue comme une merde. Mais regardez, là, hop, 2 minutes plus tard, je suis remort un peu. Entre temps, je suis à 1-7-2. Vraiment, 1-7-2. Hein. Retenez le 1-7-2. Regardez la vitesse à laquelle je dépouche. Donc là déjà, les tours là en plus personne ne m'avait aidé, hein. Je les avais pris moi-même, ça va super vite. Donc là on est tour de l'inhib. Retenez bien le 1-7-2 les gens, j'ai même pas beaucoup de farm. Regardez le Ezreal, j'ai même oublié de faire le E. Bon là je vais le E à la fin, il va mourir. 1-7-2, j'ai one shot un mec ultra fed, pistolam etc. Lui il meurt, j'ai fait E. Je vise même pas, hein. Je vise même pas. Bon, il y a juste mon Q que je vise parfois, mais je le rate 80% du temps. Là, il y a tout le monde qui arrive à la mid lane. On a ramené 5 personnes à la mid lane. Du coup, mon équipe peut faire le dragon tranquillement. Le champion est débile. Là, 3 minutes plus tard, on est en 5-9. Et là, ça va changer. Là, encore une fois, je me fais camp. Hein, c'est H24. Là, le E a rebondi sur le Ezreal. J'ai failli one-shot le Lee Sin. Il allait mourir par mes bestioles, mais ma team va le finir. Là, le Ezreal, il est presque mort. S'il n'y avait pas son équipe, j'aurais pu le E, il était mort. Le champion n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Et je me fais même pas carry pour mon équipe. Hein. Regardez, mon ADC pue la merde, là. Genre, mon Jay, je sais pas ce qu'il fait. Leona, Udyr, je sais pas où ils sont. Bon, là, le Udyr fait étoffe de tank. Je sais pas s'il fait beaucoup de dégâts. Là, je me prends Exhaust. Je me suis pris l'ultime de Ezreal. J'ai l'impression de m'être tout pris dans la gueule. Là, il y a le Garen qui arrive. Bon, là, je l'exhauste pour rien. J'aurais pu le Q, E. Il était ralenti pendant... Pendant un infinité en fait. Et voilà, on va gagner juste comme ça. Votre ultime, on s'en fout, on peut le faire sur les tanks. Ça fait des dégâts en pourcentage de points de vie max. Donc on peut le faire sur n'importe qui. Par exemple sur Garen, ils abandonnent. Voilà, on a gagné. Donc, je sais pas vous, moi je spam ce personnage avant qu'il soit nerf. Parce que ce champion n'a absolument aucun sens. Donc du coup, moi je vous le conseille fortement. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.